Salut tout le monde, salut Code QG, c'est Loser, comment allez-vous? Eh bien écoutez, moi tout va bien comme d'habitude et aujourd'hui je suis heureux de vous présenter, de vous commenter un petit gameplay sur Modern Warfare 3 sur la map Dome. Je joue avec un fusil mitrailleur très peu réputé qui est le ou la M60, ça dépend des gens. Certains disent la M60, d'autres disent le M60. Pour ma part, je dis plutôt la M60. Mais enfin bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Vous pouvez voir que c'est une arme qui tue très vite à l'écran. On peut voir une petite démonstration, une petite triple feed au passage. C'est très sympa, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. À l'écran maintenant, je vous présente ma classe que j'ai utilisée durant ce gameplay. Si ça peut en aider quelques-uns qui jouent à la M60 et qui ont un petit peu de mal, je vous conseille fortement le viseur laser car le viseur d'origine, pour ma part, ne me plaît pas trop. Après, certains l'aiment bien ou se démerdent plutôt pas mal avec. Et bah bien joué à eux parce que moi pour ma part c'est pas le cas. Alors je préfère mettre vraiment un viseur laser qui permet d'accroître ma précision. Ensuite je mets la poignée qui pour moi est l'un des accessoires indispensables sur un fusil mitrailleur, quel qu'il soit, hein. Franchement mettre une poignée ça permet d'être vraiment plus précis. Et vu que c'est un peu une arme de bourrin, je dois dire, c'est vrai que bon, on a tendance à vraiment tirer un petit peu partout avec ça. Et c'est une arme vraiment faite pour déraciner tout le monde. Et bah, voilà, une petite poignée ne fait pas de mal. Voilà. Ensuite, en atout, j'utilise passe-passe qui permet de recharger plus vite. Vous le savez tous, je pense. J'utilise ensuite bonne gâchette qui permet de viser plus vite parce que sachez que sans bonne gâchette sur un fusil mitrailleur, c'est très lent. Hein. Je parle en connaissance de cause. Je joue souvent avec des fusils mitrailleurs et sans bonne gâchette, c'est vraiment très très lent. Et pour viser, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc voilà, bonne gâchette, je conseille. Et en troisième atout, je conseille tracker. Alors, je vais vous parler un petit peu de cet atout qui est l'un de mes atouts préférés sur Modern Warfare 3. Alors certains diront que tracker, voilà, ouais, t'avances en visant, ouais, vas-y, t'as pas de niveau. Ah non, moi je suis contre les gens qui disent ça. Au contraire, c'est vraiment un superbe atout. Ça permet déjà d'une avec un fusil mitrailleur, vu que vous n'aurez pas forcément l'avantage au corps à corps. Par exemple, sur la map Dome, vous avez des petites entrées et bah, ce que je vous conseille, c'est d'anticiper les mouvements de l'ennemi. Par exemple vous avez une sorte de virage, enfin ouais, on peut appeler ça un virage. Et ben anticipez, dites-vous qu'il y aura peut-être un ennemi dans ce virage. Voilà, comme je fais à l'écran, vous voyez que je me déplace en visant et ça me permet d'avoir l'avance parce que j'aurai l'avance, j'aurai plus qu'à tirer en fait, alors que l'ennemi lui aura à viser et à tirer, donc ça me permet d'avoir vraiment pas longtemps d'avance, mais voilà, ça me permet de le tuer. Donc c'est vrai que c'est très 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 agréable de pouvoir avoir une petite avance comme ça. Alors ensuite, une deuxième qualité de l'atout tracker, vu que vous vous déplacez en visant, quand vous êtes au corps à corps et que vous vous déplacez en tirant en même temps, sachez que bah vous prenez, enfin j'aime pas dire ce mot, mais vous prenez moins vos balles, vu qu'étant donné vous visez en même temps de tirer. Forcément, vous vous déplacez latéralement comme un petit crabe. Enfin, j'aime bien la petite comparaison que j'ai fait. Mais c'est vrai que bon, vous avez tendance à vous déplacer en même temps de tirer et bah, ça déstabilise l'adversaire qui est en face de vous. Donc forcément, vous avez l'avantage sur ça. Alors ensuite, j'utilise les killstreaks de spécialiste. Vous pouvez voir à l'écran que j'ai débloqué déjà. Je viens de débloquer pilleur et j'ai débloqué tireur d'élite assassin. Voilà. Alors tireur d'élite, c'est vraiment un très bon atout aussi que je recommande et qui est pour moi l'une des meilleures comment dire inventions sur code. J'aime pas dire trop ça, ouais, c'est vrai que invention ça me paraît bizarre, mais enfin bon. C'est pas comme si on était en physique, chimie ou autre. Mais c'est vrai que c'est une bonne initiative qu'ils ont pris de mettre cet atout. Parce que je trouve que. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais j'ai vraiment du mal à voir les ennemis dans ce Call of. Alors c'est peut-être parce que je suis aveugle, hein, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ce jeu manque de contraste. Du coup, tireur d'élite, ça me permet de m'aider vachement où je vois les ennemis au loin et à moyenne distance. Voilà, ça fait un petit truc de repérage en plus. Donc voilà. Alors j'aimerais parler durant cette vidéo qui est assez longue d'un sujet de conversation. Qui est le suivant. Alors, j'aimerais vous demander, à votre avis, pourquoi les fusils mitrailleurs sur tous les Call of Duty
confondus sont-ils délaissés par la communauté? C'est vrai que moi je vais parler d'à partir de Code 4, car j'ai commencé Call of Duty à partir de Code 4, j'étais sur PS3. Et voilà, je peux parler que de ce jeu, je peux pas parler des Call of Duty auparavant car je n'y ai pas joué, voilà. Donc sur Code 4, c'est vrai qu'on voyait très peu de fusils mitrailleurs, c'était plutôt fusil d'assaut, voire pistolet mitrailleur, mais très peu de fusils mitrailleurs. Ensuite, on passe à World at War. Alors là non plus, je ne pourrais pas parler car je n'ai pas joué à World at War. Donc je ne pourrais pas parler, je ne parle pas de choses que je ne connais pas. C'est sûr. Donc maintenant, je vais parler de Modern Warfare 2. C'est vrai que sur Modern Warfare 2, les fusils mitrailleurs étaient un peu délaissés. C'est vrai que, bon, il y avait peut-être à la limite la RPD où on jouait, enfin, où je voyais quelquefois une RPD pendant la partie. Mais sinon rien de plus, c'est vrai que ouais, il n'y avait pas souvent de fusil mitrailleur sur Modern Warfare 2. Sur Black Ops pareil, c'est vrai que j'en voyais très peu. Alors moi je vais vous demander, à votre avis, pourquoi les fusils mitrailleurs sont-ils délaissés par cette communauté? Alors moi j'ai peut-être mon avis, c'est sûrement je sais pas si c'est la bonne réponse, mais je pense que c'est dû à la vitesse de déplacement. C'est vrai qu'on n'est pas très mobile en ayant un fusil mitrailleur en main. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est vrai que je suis très lent sur ce Modern Warfare 3, pardon. En compétence, vous avez la possibilité de mettre la compétence vitesse, voilà, c'est ça. Vitesse qui vous permet d'être plus rapide, mais étant donné que moi je mets accessoire, je peux pas mettre vitesse en plus. Bon, à part si vous êtes en spécialiste, car sachez qu'en spécialiste, pardon, je bug, vous avez toutes les compétences de l'arme, que ça soit recul, portée, je sais pas, toutes les compétences, vous les avez. Donc c'est vrai que c'est très utile, ça, voilà. C'est pour ça, c'est d'ailleurs pour ça que quand on est spécialiste, on court un petit peu plus vite. Voilà, vous pouvez voir actuellement que je suis en belle série, que j'enchaîne bien les ennemis. Je suis en spécialiste, donc voilà, je fais une belle série. Je capture une petite position. Alors, durant ce gameplay aussi, je vais parler d'un deuxième sujet qui est... Oula, petit bug à l'écran, ça c'est dû au mode studio qui fait des petits bugs comme ça, des petits signes de gauche à droite. Alors, le deuxième sujet que j'aimerais aborder, vous pouvez voir que je suis sur la map Dome, qui est la plus petite du jeu. Et j'aimerais savoir pour vous quelle est votre map préférée. Alors moi pour ma part ma map préférée c'est Dome justement. C'est vrai que j'aime beaucoup cette map. Beaucoup diront que jouer au fusil mitrailleur sur une petite map c'est pas très recommandé. Et là, boum, une petite mob, et oui. Alors sachez que je m'attendais vraiment pas à l'avoir cette petite mob. Bon bah voilà, c'est sympa, une petite mob à l'M60, c'est vrai que ça fait pas de mal, j'étais vraiment heureux. C'est ma cinquième mob seulement, alors c'est peu pour certains, c'est beaucoup pour d'autres. Donc voilà, j'étais content, là à l'écran un petit aimbot, on m'a tiré dessus, j'ai tourné ma vue vers la droite et j'ai tiré, j'ai eu de la chance de le tuer. Bon, alors pour en revenir à mon petit sujet de conversation, quelle est votre map préférée dans Modern Warfare 3? Alors moi je disais que c'était Dome, alors oui, c'est vrai que certains diront que c'est pas fait pour les fusils mitrailleurs, mais rassurez-vous, je ne joue pas qu'aux fusils mitrailleurs, là c'est vraiment parce que je m'étais fixé un petit... Voilà, un petit défi pour le fun, c'est vrai que j'aime bien me fixer des petits défis, changer d'arme un peu, ça fait pas de mal et ça me permet d'apprécier de plus en plus ce Call of Duty. Alors voilà, ma map préférée c'est Dome, j'aime beaucoup Lockdown, il me semble c'est ça, ouais, Lockdown il me semble, qui est très bien, que j'aime beaucoup. Et enfin, j'aimerais vous poser une deuxième question. Quelles sont vos maps que vous n'aimez pas, voilà. Donc c'est ça, voilà, j'espère que ce petit sujet vous plaira, que vous me répondrez dans les commentaires. Pour ma part, les maps que je n'aime pas trop, je n'aime pas trop Outpost, la map dans la neige, tout simplement parce que je ne vois rien dessus, hein, je ne vois strictement rien. Alors je sais pas, franchement je crois que ça doit être moi, j'ai des problèmes de vue, oui j'ai des lunettes, mais je pense pas que ça doit être ça, mais enfin bon. Donc j'aime pas trop Outpost. Sinon, tout le reste, voilà, j'aime bien. Donc voilà, j'espère que vous me répondrez dans les commentaires. Voilà. Donc vous pouvez voir que vu avec l'effet de la mob, il y a un petit effet sépia que je trouve vraiment, vraiment bien. Alors si je peux apporter quelques conseils pour débloquer une MOAB ou une mob, je sais pas trop comment on dit, malgré que je n'ai que 5 MOAB à mon actif. Je pense que faut vraiment pas, comment dire, stresser.
pour avoir votre mob. Faut vraiment pas. Vous voyez là, je jouais vraiment pas pour la mob. Je jouais vraiment essentiellement pour faire un gameplay tout simple à la M60. Et c'est vrai que bah, j'ai été très surpris d'avoir ma mob. Elle s'est effectuée en 3 minutes 10, il me semble, j'ai calculé tout à l'heure. Donc voilà, c'est vrai que bah, je m'y attendais vraiment pas et voilà, c'est une bonne surprise. Donc voilà, si je peux apporter quelques conseils, vraiment restez calme, ne jouez pas du tout pour la mob et surtout, comment dire, ne ragez pas, sérieusement. Si vous vous faites tuer à 19, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, ou un kill de la mob, ne vous découragez pas, voilà. Essayez de continuer, un jour ou l'autre, ça va payer. Moi, regardez, c'est vrai que je fais pas souvent de mob, mais quand ça m'arrive, bah, je suis très heureux. Et voilà, si vous avez du mal, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'être patient surtout aussi et de pas vous décourager. Vous pouvez avoir un petit C4. Alors, petite astuce, si vous ne la savez pas, pour jeter votre C4, vous jetez votre C4 donc avec le bouton du C4 et pour le faire exploser, vous appuyez sur double X ou double carré. Voilà, la partie est terminée. Vous pouvez voir que ça s'est terminé sur un score de 200 à 191, donc c'était assez serré et un score final de 70 à 12. Alors pour présenter vite fait ma chaîne, vu que j'ai un petit peu le temps, je mettrai une petite image. Alors sur ma chaîne, je suis basé plutôt sur la proximité avec mes abonnés. C'est vrai que j'aime bien être proche de mes abonnés. Alors pour ça, j'ai plusieurs séries. La vidéo de la semaine où c'est des clips de mes abonnés réunis dans une petite vidéo de 3 minutes environ. Donc voilà, c'est les clips de mes abonnés. J'ai une autre série où je fais participer mes abonnés dans un gameplay. Donc c'est leur gameplay et ils ont possibilité de le commenter avec moi. Et enfin, j'ai une petite série sur Call of où je teste toutes les armes de Modern Warfare 3 en live. Et voilà, sachez que nous sommes deux sur la chaîne et qu'il y a du Minecraft aussi qui est présenté par mon compagnon de chaîne. Voilà, j'espère que ce gameplay vous aura plu. J'arrête de parler. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, c'était Loser.